Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des feuilletés à la mascarpone et aux fraises, des spaghettis à la kefta et aussi des briques au air fryer. Alors, on aura besoin de 600 g de viande hachée, un oignon, une demi-boîte de persil ou de coriandre, du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre, un peu de cumin si vous voulez. C'est facultatif en tout cas, nous on n'en met pas. On aura besoin aussi d'un œuf, de 2 cuillères à café, 2 fécules de pommes de terre ou de la chapelure. On malaxe le tout. On mélange bien comme il faut pour former des boulettes. Voilà, si ça tient comme ça, c'est que c'est parfait, on rajoute rien du tout. On forme nos boulettes et on réserve. On aura besoin d'un filet d'huile, un oignon, 3 gousses d'ail dans la cuve du cookéo en mode doré. On fait revenir nos oignons. Dès que nos oignons sont translucides, on rajoute une boîte de tomates pelées, 3 cuillères à soupe de tomates concentrées. On fait revenir quelques minutes. On rajoute nos épices, les mêmes épices qu'on a mis dans notre kefta, c'est-à-dire du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre. Mais au préalable, on rajoute 3 cuillères à soupe de tomates concentrées. Et voilà nos épices, du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre. On fait revenir quelques minutes, on rajoute aussi 2 feuilles de laurier, ça va réduire l'acidité de la tomate. Et après, on rajoute 300 ml d'eau, puis après le kefta. On met tout dans notre cuve. On rajoute un petit peu de poivre. Et ça part en cuisson sous pression rapide pendant 10 minutes. On n'aura plus qu'à cuire les pâtes. En attendant, on va faire notre petit dessert. On aura besoin d'une pâte feuilletée que je coupe en triangle. En 4, puis après en 8. J'ai mis du beurre, j'ai badigeonné du beurre sur une de mes pâtes. Et après, je mets l'autre triangle par-dessus. Tout simplement. Et voilà mes triangles, ça part au four à 190 degrés Celsius pendant 12 à 15 minutes, tout dépend de votre four. Là, j'aurai besoin de 300 ml de crème liquide entière, plus 2 cuillères à soupe de mascarpone. Je bats tout cela ainsi que 60 g de sucre glace. Dès que j'ai un bec de cygne, je m'arrête. Je mets tout dans ma poche à douille. Mes triangles sont cuits. Et là, voilà, j'ai plus qu'à pocher. J'ai coupé, lavé et coupé bien sûr mes fraises. Et après, je les pose sur mon triangle. Et voilà. On a encore un petit peu de viande de kefta. Donc, j'ai décidé de les mettre dans des feuilles de briques. J'ai enroulé tout ça. J'ai mis au air fryer à 240 degrés Celsius pendant 10 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on retourne et c'est cuit. C'est parfait. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt!